Cette année encore, à l'occasion du Nouvel An chinois, cette année ce sera le samedi 13 février, l'association Banque d'Asie vous propose des consultations gratuites de Yiting avec Pierre Leplay. Bonjour Pierre. Bonjour Julien. Alors Pierre, tu es un passionné et très bon connaisseur du Yiting, qu'on présente souvent comme un des grands fondements de la pensée classique chinoise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, le Yi Ching, ça veut dire d'abord le livre des changements, le classique des changements. Et donc, c'est la base de l'élaboration du Yi Ching, d'étudier ce qui se passe quand les choses changent. Ça s'étudie depuis plus de 4000 ans, donc, et la forme finale, on peut dire, a été élaborée et constituée à peu près il y a 2000 ans. Donc, c'est une longue expérience qui soutient et qui permet à ce Yi Ching d'avoir quelques fiabilités. Et donc, le Yi Ching est un livre constitué d'hexagrammes. Qu'est-ce que c'est un hexagramme? Ce sont six traits dont les uns sont continus, on les appelle yang, et d'autres sont discontinus, on les appelle yin. Hexagramme, il y a six traits qui sont les uns au-dessous des autres et donc constituent ce matériau qui va servir à répondre aux questions. Et concrètement, ça se passe comment une consultation de meeting? On arrive avec une question et Oui. ensuite, qu'est-ce qui se Alors, on passe? arrive avec une question, on peut en parler tout de suite, c'est de dire que cette question, elle doit être précise, concise, et elle doit vous proposer à la personne qui questionne d'être acteur de cette question, du changement ou de l'attitude à prendre. Donc, ce n'est pas une question de prédiction où on va dire, il va vous arriver ça, c'est une question dans laquelle vous allez pouvoir rentrez vous-même en tant qu'acteur, une fois. Et donc, cette question, elle est posée, ou est dite ou pas, et ensuite, il va se faire une manœuvre, une opération, une manipulation de baguettes, 50 baguettes, ou de pièces. Et donc, le jet ou les séparations de ces éléments permettent de déterminer un hexagramme ou plusieurs hexagrammes selon la question. D'accord, c'est donc l'hexagramme qui est la réponse à la question qui est posée, si je comprends bien. Exactement. Et donc, moi, je suis chargé dans cette affaire d'interpréter l'hexagramme et d'en extraire la moelle, l'essence, et de dire, tiens, voilà ce qui vous est proposé par la réponse, sachant que dans le meilleur des cas, mais assez souvent, il faut bien dire, cette réponse vous ressemble. C'est ça qui est amusant, intéressant, profond même, d'ailleurs. Voilà. Mais merci Pierre pour tes explications. Donc, si vous êtes intéressé par ces consultations de meeting, vous pouvez prendre rendez-vous avec Pierre en lui écrivant à l'adresse email qui apparaît en dessous de cette vidéo. Et ben, nous vous remercions pour votre attention et à très bientôt pour le Nouvel An chinois. Donc, ce sera le samedi 13 février prochain à Carpentras et donc en ligne avec Pierre et les autres intervenants. Merci. Merci beaucoup.